tous. Bienvenue à cette tribune spéciale sur la Journée mondiale de l'enfance, animée par votre humble serviteur David Moussavou. Nous avons comme invité Madame Amour Chardel Dienkembo, ministre des Affaires sociales, et Madame Samuel Wenabio, représentante de l'UNICEF. Nous sommes le 20 novembre 2017 et cette date nous rappelle la signature de la Convention sur les droits de l'enfant en 1989. N'est-ce pas, Madame la représentante ? Effectivement, aujourd'hui nous célébrons le 28e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais c'est aussi la première journée mondiale de l'enfance. Qu'est-ce que cela veut dire, madame ? C'est un double événement, car à l'occasion du 28e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'UNICEF a lancé cette année la première journée mondiale de l'enfance. Quelle est l'importance de cette journée ? Le 20 novembre est une journée pour encourager les gens à agir en faveur des enfants. C'est une journée pour les enfants et par les enfants. C'est une journée où les enfants prennent des décisions, c'est-à-dire jouent des rôles dans la société. Je me tourne de votre côté, madame. Lorsqu'on parle des droits de l'enfant, qu'est-ce que cela veut dire pour vous, madame la ministre des Affaires sociales ? Les droits sont des règles qui rendent les choses justes pour tout le monde. Donc les enfants aussi ont des droits ? Oui, les enfants ont des droits. Ils ont par exemple droit à la vie, droit à la santé, droit à la protection, droit à l'éducation et aussi le droit de jouer. Toujours à propos de la journée du 20 novembre, nous allons suivre l'interview que le Premier ministre Pressé Nguema a accordée à notre collègue Ephraim Mahungu. Monsieur le Premier ministre, que pensez-vous de la journée mondiale de l'enfance ? Vous voulez parler de la date du 20 novembre ? Exactement, monsieur le Premier ministre. Monsieur le journaliste, le gouvernement de notre pays place les enfants au premier plan de son action. D'ailleurs, nous allons célébrer cette journée le 23 novembre à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Nous invitons donc la population de notre pays à respecter le droit de l'enfant et être gentil avec l'enfant. Merci, monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre tribune. Nous avons parlé aujourd'hui de la Journée mondiale de l'enfance qui est célébrée le 20 novembre. C'est un jour où on fait la promotion des droits de l'enfant, mais aussi un jour où nous laissons la place aux enfants de prendre des décisions et d'agir comme nous pour le bien-être des enfants. Merci beaucoup et soyons gentils avec les enfants. Soyons gentils avec les enfants.